Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au film américain de 2022, Le Menu, réalisé par Marc Milhaud, sorti en salle le 23 novembre. Tout ceci fait partie du menu. Laissez-moi passer. Ça fait partie du menu. Ted, ça va aller? Non, on va tous mourir ici. Oui, je crois bien. Sur une île isolée, Margot et Tyler, un couple d'amoureux, arrivent dans un restaurant gastronomique ayant une très bonne réputation. Le chef de cet établissement se lance dans un menu somptueux associé à quelques surprises. Lors d'une soirée très importante aux yeux du restaurant, le repas ne va pas se passer comme prévu. Si Marc Milhaud a déjà derrière lui trois longs métrages, dont Ali G, d'après le personnage créé et interprété par Sacha Baron Cohen, il demeure essentiellement connu pour son travail sur des séries telles que Entourage, Game of Thrones ou bien encore Succession. C'est sur le tournage de cette dernière que l'un des scénaristes de la série, Will Tracy, lui confie l'existence d'un long métrage coécrit avec Seth Reiss, intitulé Le Menu, et inspiré d'une soirée qu'il a vécue dans un restaurant uniquement accessible en bateau. Issu de la fameuse blacklist regroupant les meilleurs scénarios en attente de développement, Le Menu fut un temps prévu pour être réalisé par Alexander Payne avec Emma Stone dans le rôle féminin principal, avant de finalement revenir à Marc Milhaud avec au casting Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes et Nicolas Hoult. Revendiquant des influences telles que L'Ange Exterminateur de Louise Buñuel, Parasite de Bong Joon-ho ou Misery de Rob Reiner, notamment pour leur gestion d'espaces confinés, le principal défi pour Marc Milhaud aura été de trouver le ton juste, d'harmoniser la somme de talents mis à sa disposition afin de garder crédible tout du long une histoire mêlant à la fois satire, comédie, thriller et drame horrifique. Fraîchement récompensé du prix du public au Fantastic Fest d'Austin, Le Menu débarque dans les salles françaises. Alors délice ou supplice, voyons ça sans plus attendre. Nous formons une famille. Oui, chef ! On récolte, on fermente, on fusionne. Il fusionne ? On fusionne ! Ce n'est pas qu'un chef, c'est un conteur d'histoire. Le but du jeu, c'est de mettre en lien les indices pour deviner le thème du repas. Convié par Marc Milhaud, son duo de scénaristes et son casting de choix, nous voilà donc les invités d'une soirée entourée de bien des mystères. Rythmée par les interventions de plus en plus étranges du chef, à chaque arrivée imminente des différents plats composant le menu, nous découvrons, sans temps mort et avec une délectation certaine, que le repas s'annonce hors du commun, et ce par bien des aspects. Oscillant entre différents genres, c'est bien l'humour noir qui prédomine, rendant l'ensemble particulièrement réjouissant, tant chaque phrase, geste, réaction ou situation frappe juste pour le plus grand plaisir du spectateur. Tout juste pourrais-je reprocher un dessert manquant un peu de piquant, la confrontation attendue pouvant sembler un brin naïve. Mais ce serait vraiment faire la fine bouche, d'autant que le climax offre une performance artistique des plus flamboyantes. 12 couverts seulement, dans ce restaurant inaccessible pour le commun des mortels, pour autant d'invités s'apprêtant à passer un moment inoubliable, mais pas de la manière dont ils l'imaginent. Passant de table en table, de conversation en conversation, la caméra s'attarde sur chacun des convives, découvrant les plats comme autant d'indices destinés à trouver le thème de la soirée. Bien évidemment, si toutes et tous ont réservé leur place, ils n'ont pas été réunis par hasard. Et ce n'est pas leur statut de privilégié qui les épargnera du ridicule ou empêchera certains secrets d'être dévoilés, bien au contraire. Le temps d'une soirée, les dominés deviennent les dominants, chef gourou d'une brigade prête à tous les sacrifices, Julian Slovic entend bien faire passer son message auprès d'un parterre de bourgeois arrogants savamment triés sur le volet. Ici, le personnage de Margot, interprété par Anya Taylor-Joy, se révèle être, comme la bande-annonce le laissait supposer, l'anomalie de la soirée, le petit grain de sable venant gripper une mécanique culinaire trop bien huilée. N'ayant, à double titre, rien à faire là, et ne cherchant d'ailleurs pas vraiment à se faire inviter dans ce genre d'endroit guindé, elle est le personnage auquel le spectateur s'identifie, gardant la même distance quant aux événements en cours, et au travers duquel passe l'essentiel du regard critique que porte le film sur l'art culinaire.
Porté par un excellent casting, que ce soit Ralph Fiennes en chef dévoré par son art, Anya Taylor-Joy en invitée fougueuse et pleine de répartie, ou Nicolas Hoult agissant comme si de rien n'était alors que tout part en vrille, le menu aura comblé toutes mes attentes. Je ne peux donc que vous encourager à le découvrir en salle. Si vous avez apprécié ce repas gastronomique, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut !